L'exposition Gilbert Lazare, un siècle d'études iraniennes, est le fruit d'une collaboration entre la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations et le Centre de recherche sur le monde iranien à l'occasion du centenaire de la naissance de Gilbert Lazare. L'exposition propose d'explorer la trajectoire de cette figure majeure des études iraniennes en France, linguiste mais aussi traducteur de poésie classique et de prose contemporaine. Et ce qui était vraiment pour nous important de montrer dans cette exposition, c'était cette alliance qu'il avait su toujours conserver entre, d'un côté, la tradition, l'intérêt pour les textes classiques, l'intérêt pour la langue classique, mais à la fois un regard résolument tourné vers la modernité et qui a aussi pu permettre l'inspiration de nombreux successeurs de Gilbert Lazare qui ont été ses étudiants et ensuite ses pairs. La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations a le privilège de rassembler les collections persanes et iraniennes les plus importantes de France. Cette situation est liée à la fois à l'héritage de l'enseignement du persan à l'École des langues orientales, successeuse de l'École des jeunes de langue, avec des collections remontant au XVIIe siècle. Depuis la création de la BULAC en 2010, ces collections se sont encore enrichies de l'apport des collections du Centre de recherche sur les mondes iraniens, ancien institut d'études iraniennes, qui a déposé l'intégralité de ses collections au sein de la bibliothèque, y compris des collections patrimoniales très importantes, d'archives et de manuscrits. Parmi ces collections apportées par le CERMI, le don Gilbert Lazare constitue évidemment le joyau le plus important. L'apport de ces collections contribue à des relations très resserrées, inaugurant des modes de collaboration nouveaux entre un centre de recherche et une bibliothèque. Le CERMI dispose ainsi au sein des espaces mêmes de la bibliothèque d'une salle dédiée aux chercheurs du laboratoire, accessible 24 heures sur 24, qui est un lieu de travail à la fois sur les collections, de réunions, de séminaires et de collaboration entre chercheurs et bibliothécaires. Cette exposition a été organisée selon trois axes qui ont été répartis en cinq vitrines différentes. La première vitrine qui est ici évoque le travail de linguiste de Gilbert Lazare en montrant à la fois son dictionnaire de persan dans son édition actuelle de 2017 ainsi que sa grammaire qui date de 1957 et qui sont encore aujourd'hui des ouvrages de référence pour les étudiants de persan à l'INALCO mais également au-delà des frontières de l'INALCO. Les deux vitrines suivantes reflètent l'intérêt que portait Gilbert Lazare à la littérature persane, à la fois classique et contemporaine. Et pour montrer cet intérêt, nous avons décidé de consacrer deux vitrines à deux grands monuments de la littérature persane classique. Le premier, c'est le Livre des Rois de Ferdowsi, poète du Xe siècle, puisque Gilbert Lazare a fait un choix et une présentation d'extraits de la grande traduction du XIXe siècle de ce texte en prose, et nous l'avons mis en parallèle avec une traduction intégrale, cette fois-ci en vers, effectuée par l'un des élèves et successeurs de Gilbert Lazare, grande figure également de l'iranologie, Pierre Lecoq. La deuxième vitrine s'intéresse, elle, à un autre poète iranien, du XIVe siècle cette fois, Hafez de Shiraz, qui est aussi un poète très important, mystique de la littérature classique. Et Gilbert Lazare, là aussi, a contribué à présenter et à passer les textes de ce poète en présentant une sélection de 101 quatrains de Hafez. Et nous avons mis également cette traduction à côté de celle intégrale, cette fois du Divan de Hafez, qui a été effectuée par Charles-Henri de Fouchécourt, qui est à la fois une grande figure également de l'iranologie et le successeur de Gilbert Lazare à la Sorbonne Nouvelle. Dans les deux dernières vitrines, nous avons voulu mettre en lumière le don que Lazare a fait à la BULAC et nous avons donc présenté un certain nombre de pièces remarquables issues de ce don ainsi que quelques livres qui ont été tirés de sa bibliothèque personnelle et qui portent donc à la fois l'ex-libris de Gilbert Lazare ainsi que des dédicaces de différents chercheurs en études iraniennes et de poètes et d'écrivains iraniens.